bien, j'ai eu plein de messages de vous, de mes amis, de gens sur internet, de toute ma petite communauté qui me disaient mais où es-tu passée? Du coup j'étais juste là, c'est juste que j'avais besoin de prendre un petit peu de repos, voilà, tout simplement. Ça fait du bien des fois de se retrouver, de pas trop prendre son téléphone. Comme je vous dis, moi je fais vraiment les choses comme je les sens en fait, au feeling. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie et ce que je pense qui est bien pour ma famille et moi. Et voilà, c'est vrai que parfois ça m'arrive de disparaître un petit peu parce que j'en ai peut-être besoin, que ça veut pas dire que je travaille pas ou que je suis pas en train de faire mille et une choses, mais c'est juste que je me dis aujourd'hui j'ai envie de prendre un peu de recul, j'ai pas mal de travail comme je vous dis par rapport aussi à Nabila Beauty qu'on est en train de rendre international, donc je vous dis pas tout, mais ça va bientôt être distribué dans pas mal de pays à l'international, et forcément il y a plein de règles dans chacun des pays, il y a tous les enregistrements des produits à faire, et je peux vous dire que c'est très compliqué par rapport aux composants, à plein de choses, ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'investissement. Et voilà, moi j'apprends sur le tas avec mes collaborateurs et mes équipes qui me guident, mais c'est moi qui suis la décisionnaire parce que cette marque, elle n'appartient qu'à moi et à moi seule. Et en étant la directrice de cette marque, je dois valider chaque chose. Donc, ils ne peuvent pas travailler s'il n'y a pas ma validation derrière. Donc voilà, je dois prendre le temps d'analyser chaque chose et c'est pas facile. Et voilà, mis à part ça, je me suis pris aussi une petite journée avec mon fils tranquille. Sans trop partager, ça ne veut pas dire que je vous oublie, hein, vraiment pas. Je sais que vous avez toujours été là pour moi et je serai toujours là pour vous. C'est pas parce que je snap pas quelques jours. Ça ne veut pas dire que je vous oublie, je pense très fort à vous. À chaque fois, je viens faire un petit tour, je regarde un peu vos messages et tout ça. Donc voilà, mais je pense que pour tout humain, ça fait du bien de déconnecter un petit peu. C'est important de ne pas faire les choses pour être là à tout prix, pour montrer que oui, on est là, on existe. Enfin, moi, il y a la vie des réseaux, et il y a aussi la vie de Nabila qui est très importante aussi. Donc voilà, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que parfois ça fait du bien de partir un peu pour mieux revenir. Donc là c'était un petit jour, peut-être qu'un jour je partirai un peu plus longtemps. Peut-être pas, mais en tout cas je fais les choses au feeling. Et surtout voilà, je suis pas quelqu'un qui me force moi-même. Je ne suis pas une forceuse et je fais les choses parce que j'ai envie de les faire tout simplement. Et quand je partage des choses avec vous, je les fais avec mon petit cœur. Voilà. Rien de plus pour vous remercier tous autant que vous êtes parce que je me rends compte qu'avec le fil des années qui passent, j'ai vraiment une communauté qui est bienveillante et les gens ils sont hyper bienveillants avec moi. Des fois, je lis des commentaires, des choses et tout. Bon, il y a tout le temps des gens qui sont pas très cool, mais il y a quand même une majorité de personnes qui sont genre hyper cool, hyper bienveillants, qui jugent pas. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pour ça que je suis très reconnaissante de ça, d'avoir vraiment des gens qui soient bienveillants tout simplement, ni gentils ni méchants, mais juste bienveillants envers moi et ma famille. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc je tenais tous à vous remercier, même ceux qui nous apprécient, ceux qui nous apprécient pas. C'est vrai qu'en ce moment je réfléchis pas mal parce que ça va bientôt faire 10 ans tout ça, que toute cette aventure elle a commencé pour moi, c'était en 2013, et donc voilà, ça fait bientôt 10 ans, pas tout à fait, mais quand même on s'en rapproche. Et c'est vrai que je me dis waouh, je pensais même pas que j'allais rester quelques mois dans tout ce circuit, dans toute cette célébrité, dans tous ces médias, enfin toutes ces choses en fait. Et là 10 ans après, je me dis waouh, quand même j'ai fait un sacré bout de chemin. Donc voilà, je suis très fière de moi, de mon mari, de ma famille, de tout le monde en fait. Et c'est vrai que peut-être pas tout de suite, mais dans quelques temps, je vais partir. Quelques temps, je vais partir un petit peu, je sais pas combien de temps. Peut-être ce sera quelques semaines, peut-être quelques mois. Peut-être que je reviendrai puis je repartirai. Mais voilà, je vais faire un genre de petit break, si on peut appeler ça comme ça. Je serai toujours dans les barrages, hein. Je vais pas non plus être radicale et me dire j'ai envie de tout couper, parce que c'est pas le cas, donc je ne mens pas aux gens. J'ai pas envie de couper tout ça parce que ça me plaît, c'est le lien que j'ai avec vous, mon métier aujourd'hui, et c'est surtout quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, mais je pense que d'ici quelques temps je vais prendre un petit peu de recul. Je pense que j'en ai besoin parce que ça fait 10 ans, je me dis, bientôt, et 10 ans c'est pas rien. Et voilà, et c'est important aussi de penser à soi, à sa petite famille. C'est pas une question
d'être égoïste, parce que je ne le suis pas. Je suis quelqu'un, les gens qui me côtoient, vous pouvez leur demander, hein. Moi j'ai un cœur, il est énorme. Si je devais partager jusqu'à la dernière miette, je la donnerais, quitte à ne pas manger. Je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça, et c'est, voilà, c'est ce qui fait que je suis moi. Mais je pense que parfois c'est important aussi de penser à soi, et prendre vraiment du temps pour soi, et pour mieux se retrouver en fait, pour mieux avancer par la suite. Donc voilà, ça aussi, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Je ne vais pas partir du jour au lendemain. Mais c'est vrai que j'y pense parfois un petit peu. Et j'ai tellement enchaîné de choses dans ma vie, que ce soit mes projets, ma vie personnelle, ma vie privée, mon enfant. Enfin, tout ça, c'est tellement enchaîné que je me dis que ce serait cool que je prenne un petit peu de recul. Juste pour regarder genre d'un point de vue extérieur ma vie. Je sais pas, comme si je sortais de mon corps et je regardais et je faisais un petit bilan en fait. Je pense que j'en ai besoin. Voilà, mais je vais super bien, tout va très bien, c'est juste que moi je pense que c'est important de temps en temps de déconnecter, comme on dit.